Salut les gens, c'est Mr Freeze. On se retrouve devant un coffre que j'avais oublié de prendre. Pleine lune, c'est une arme de lancer, donc qui peut être cool pour la classe voleur ou ninja qu'on aura plus tard. Voilà, c'était juste là, vous voyez le petit escalier. Moi j'étais descendu du tuyau, j'étais allé directement à la porte là. Alors qu'il fallait prendre l'escalier d'abord. Donc voilà, on s'était arrêté là la dernière fois. Et donc on va terminer ce donjon. On est vraiment tout à la fin. Alors là, faut absolument mettre voilà ce truc à droite. Et sinon, les leviers, ça a l'air compliqué comme ça. Mais c'est pas bon. Faut à peu près actionner tous les leviers qu'on voit et c'est bon en fait. Pas trop chercher à comprendre. Donc, comme je l'avais dit à la dernière vidéo, j'ai farmé hors vidéo. Ce qui fait que je suis surpuissant. Je suis niveau 15, j'étais niveau 11 à la dernière vidéo. 4 niveaux d'un coup. Si vous savez pas comment farmer, vous allez à la plaine qui se trouve là où on est venu de l'aérolite. En fait, il y avait une plaine avant une petite forêt avant la ville. Il y avait une plaine, puis une forêt, puis la ville. Bah, vous prenez vous allez dans la plaine, vous farmez ici. Ça donne 150 XP pour. Par. Merde. On vient ici, tu vois. Ça donne 150 XP par comment? Putain, je suis de faire ça. par combat. Donc ça monte assez vite. Hein. Vous mettez en combat auto. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je faisais invocation de Shiva à chaque fois. Ça allait très vite. Hein. Une invocation de Shiva et on gagne quoi. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on était vraiment à la fin du donjon. Voilà. Ah, je vais peut-être laisser les combats en accéléré par contre. Ce qui peut me porter préjudice. Voilà, rien qu'à péter un câble. Donc ça, je suis pas trop à comprendre ce qui se passe. Hein. Je vous dis ça parce que j'en sais rien en fait. Voilà, donc on se retrouve face à un boss et j'ai oublié de changer la classe de Bartz, bon c'est pas grave. Et j'ai testé hors vidéo hein, parce que c'est un endroit assez délicat. J'ai testé de... Donc j'ai récupéré tous les sorts que j'avais pas pris à la ville, ainsi que les équipements, vu que j'ai fermé j'avais plein d'argent. Et je me suis dit gravité ça marchera jamais sur les boss. Eh bah si, vous allez voir. Ça m'a choqué ça. Hein. Regardez bien comment ça lui enlève. Bam. ça divise les HP en deux, c'est donc les 3000 HP de base. Mais je lui enlève... Je lui enlève quand même... la moitié quoi, 1500 d'un coup quoi. Donc là il lui reste 1500 hein, en toute logique. Ah, il est insensible à la magie en forme de main, il a trois formes hein, le boss. Oh putain, il m'avait pas déchiré comme ça la dernière fois. Ouais mais en même temps, s'il utilise la forme de... C'est pas grave, hein. On va le défoncer au ventre. Faut juste qu'il reprenne sa forme de mes couilles, là. Pas la forme de mes couilles, hein. Voilà. Ah non, mais c'est l'inverse. Faut pas qu'il soit en tornade. Je fais n'importe quoi. Non, en plus, il est pas dur comme boss. Il fait mal, mais il en fait plus. Voilà, il fait le malin, mais il veut mourir. Voilà, vous voyez, c'est une merde. Bref, gravité marche bien, hein, donc n'hésitez pas à l'acheter à la ville, à Karnak. Donc là, mes persos sont à moitié morts, mais on s'en fout, vous en faites pas. Parce qu'il y aura un truc pour soigner juste après. Ah, double poigne, parfait, ce que je voulais. On gagne Caton, hein, Caton qui est un sort de ninja. Une classe qu'on n'a pas encore. Voilà, et là on apprend que c'est pas que les machines qui épuisent les cristaux, mais qu'il y a un truc bizarre quoi. Donc là on va aller au cristal, bien sûr, en se disant mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Je me le demande.
Et là, vous voyez, il y a des espèces de tuyaux bah, pour aspirer le pouvoir des cristaux, justement. Et là, un loup-garou. On nous avait parlé d'un loup-garou qui n'a rien à voir avec loup solitaire hein, qu'on pouvait libérer dans la prison de la ville précédente. J'avais complètement fumé, ça n'a aucun rapport. C'est un autre mec, loup-garou. Il fait partie d'un peuple qui connaît Galuf, comme vous le voyez. Bon, alors, on le prend pour un ennemi, hein, mais... Et là, vous l'avez voulu dire, ah, mais il va lui dire. Mais non, parce que comme par hasard, il se passe un truc de merde. Alors, un des soldats active les machines pour aspirer la puissance des cristaux. Et vous voyez, il a une espèce d'aura comme le... Comme la reine avait, donc il est contrôlé. Hein. Mais bah, il meurt. Il reste plus qu'un cristal, c'est vrai. Donc le petit sacrifice, un peu débile comme sacrifice, parce que là on aurait le temps de se barrer trois fois depuis le temps que tu parles. Vous dire, ouais, mais c'est pas pour juste se barrer de la salle, c'est pour se barrer complètement de l'endroit. Mais vous allez voir, hein, en fait c'est trop débile. Voilà, là on tombe. Ça explose hein, pour changer. Je crois que c'est Michael Bay qui a fait les scènes des cristaux. Non, je te capte. Voilà, bon, tout crame. Voilà, il nous retenait juste le temps qu'on quitte la salle, en fait. C'est complètement con, il aurait pu essayer de s'échapper. Nous dire qu'il est Galuf. Et de toute façon, on avait largement le temps de se barrer, enfin bref. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le château de Karnak, il y avait plein de coffres bloqués par des flammes. Mais justement, vous voyez les morceaux de cristaux ils sont en bas. Et pour une fois ils nous donnent pas... Pardon, ils nous donnent pas... Ils nous donnent pas des nouvelles classes. Voilà. Et là... Voilà. Tac. Alors quand on met le menu... J'ai vérifié. Hein. Quand on met le menu... Ah bah non c'est bon. Quand on met le menu c'est bon, il n'y a pas de... Le temps passe pas quoi. Il y a certains FF comme ça où... Voilà, c'est ça, c'est dont je vous parlais pour se refoutre à fond. Il y a certains FF comme ça où... Donc je vous conseille de sauvegarder. Je vais réussir à faire ma phrase sans m'interrompre. Oui, donc je disais, il y a certains FF comme ça où... Non, ça on s'en fout. Bah, les coffres ouverts, ça sert à rien d'y aller. Hein. Certains FF où le temps passe quand on est dans le menu, c'est assez bâtard. Bon, vous allez voir, ils sont pas tellement forts les ennemis, hein, tout ça. Ce qu'on fait, c'est ça. Attaquer avec les deux autres. Et normalement, ça passe tout seul. Donc l'animation prend du temps. En fait, vous voyez, vu que ça tue tout le monde en un coup. C'est pour ça que je vous l'avais dit, hein, l'invocation Shiva est complètement pétée ici. Il n'y avait pas d'autre coffre. Voilà. Perdez pas de temps, elle est en bas. De toute façon, c'était là nos cellules, là où on était avec Sid. Donc on sait qu'il n'y a rien là-bas. N'hésitez pas à fuir dans les trucs comme ça. Hein. Après, c'est chiant parce que les animations elles prennent du temps. Et du coup,
ça met pas en pause le timing, le timer, le timing, je sais pas comment on dit. Quand on lance les trucs en fait. Et quand les ennemis attaquent aussi. Du coup, se faire prendre à revers, c'est très chiant. Voilà. Et c'est pour ça en fait que je faisais du level up. On va essayer d'abord de faire ça. Voir si je peux pas le tuer plus vite. Vas-y, tue-le! Connard! Je pensais qu'il allait le tuer, mais ouais. Bon, au moins, ça met pas la pression. Parce qu'on peut changer les équipements qu'on vient d'avoir, ce qui est assez cool. Ruban, c'est où? Pourquoi y'a personne qui a des rubans ici? Bref, du coup, on peut se soigner. Vous pouvez aller boire un café alors que tout va péter dans 10 minutes, c'est ça qui est plutôt con. Quand on met pas un timing pendant le menu, quoi. Bref, voilà. Donc là, il y a un deuxième coffre. Il n'y a pas d'objet caché à part les coffres, hein, donc ça se voit. Voilà, lui, il faut surtout pas l'attaquer pour rien. Parce qu'à chaque fois qu'on attaque, il fait une contre-attaque. Il lance une attaque devant sur tout le monde, en fait. Ah bah, il est mort. Ouais, et c'est justement une magie bleue. C'est Rafale, la magie bleue Rafale. Putain. Ok, ça c'était le combat le plus rapide que j'ai jamais fait. C'est un peu comme les écureuils dans FF6. Qui crèvent tout seul. Il nous emmerde. Je vous conseille la classe voleur ici, autant pour courir que pour pouvoir vous enfuir facilement. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un boss à la fin en fait. Avec le timer. En plus, ils grèvent pas tous en même temps juste pour te faire perdre une seconde. Quoi. Donc. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Faut aller là-haut direct. Ouais, faut aller là. Au milieu, là, ça sert à rien d'y aller, c'est la salle du trône. Voilà, et surtout les coffres les plus importants si vous voulez pas tout faire. C'est ceux-là sur le toit, vous allez voir. Enfin, en passant par le toit. C'est les coffres les plus intéressants. Merde, je voulais pas faire ça. Ouais, c'est ça dont je vous parlais. Là, si vous avez un mage bleu, vous allez apprendre la compétence rafale. Si vous avez un mage bleu ou la compétence pour apprendre. Là, je vous le dis, hein, sans Shiva, c'est vraiment chaud. Voilà, assimiler rafale. Et cap elfique. Qui est un objet assez sympa, je crois. Et qu'on avait déjà. Non? Non, ouais, on l'avait déjà. Ouais, avec augmente agilité, magie. Bref, on s'en fout. N'oubliez pas que vous pouvez marcher en diagonale. Faut absolument avoir la compétence du voleur pour aller plus vite. Ou avoir un voleur sur soi. Et il y a à peu près 3 quarts des coffres qui sont piégés, hein, donc c'est assez chiant. Ouais, le mieux c'est que Faris commence. Comme ça c'est fait. Ouais, c'est assez short, hein, 5 minutes encore. Voilà, il y a plein de coffres qui contiennent juste des élixirs aussi. Eh mais calme-toi. Il est fou ce mec. Ah, il est chiant putain. Je me suis dit que ça va suffire. Ouais. Ouais, en fait, les sorts en plus, ils font aussi mal que... Ils font aussi mal que les invocations. Sauf que les invocations, c'est sur tout le monde, donc c'est mieux. Ok. Donc là, petit raccourci pour passer là directement.
Dans cette vidéo, je vous mens pas, je l'ai préparé d'avance. Hein. Merde. Merde, elle a pas Shiva. Putain, je fais n'importe quoi là. Bon, espérons qu'il les tue tous en un coup. Oh, t'es sérieux? Oh, de merde. Hein. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Ça va être très très chaud là. Et encore, je connais le chemin. Hein. Ça va, il reste pas beaucoup de coffres. On est presque. Non! Putain. Voilà, comme je vous l'ai dit, faites pas auto parce qu'il faut pas qu'il tape pour rien. Sinon, on perd du temps. Ah, elle a plus de magie. Je pense que je vais utiliser un éther là. Ah, c'est un bon endroit pour XP, n'empêche. Bon voilà, après, si vous voulez pas d'élixir, je vous l'ai dit, prenez surtout les deux coffres qu'il y a tout en haut, là. C'est pas ça que je voulais faire. Objet, terre. Ça devrait suffire. Pour l'instant. Ah, ruban, c'est un casque, d'accord. Voilà, c'est stressant, mais quand on connaît ce qu'il faut faire... Hein. On sait que ça va passer. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que ça passe. Hein. Si ça passait pas, j'aurais recommencé la vidéo. Voilà. Et deuxième coffre très important. Normalement, c'est le dernier coffre. Ah non, il y en a encore deux. Il y en a encore deux avant la sortie. Ah, il est chiant. Mais en fait, Rafale, c'est pas que ça fait mal, hein, mais c'est que ça fait perdre beaucoup de temps, quoi. Yes, parfait. Bon, la main gauche, vous allez voir, c'est une arme assez puissante. Ce qu'on va faire, on va faire optimiser partout. Voilà. Il me reste 3 minutes pour me barrer. Voilà, allez pas en haut, ça sert à rien, y'a rien. Voilà, ça c'est deux derniers coffres. Et j'ai tous les deux. Comme vous voyez, Shiva, on l'a pas pris pour rien. Ça sert vraiment beaucoup, là. Après, ça aurait pu être le cas de n'importe quelle vocation. Hein. C'est pas question qu'elle soit de glace. Bon, la Raging, c'est aussi une attaque de ninja. C'est surtout que c'est une attaque de zone qui fait très mal, en fait. Voilà, il nous reste 2 minutes 30. Et j'ai envie de me lancer un petit challenge. Je vais attendre 30 secondes avant. Il reste plus que 30 secondes avant de partir. Non, je déconne. Le gars qui cherche la merde. Voilà, Esuna. Esuna, qui est un très bon sort de mage blanc. Donc, indispensable aussi, ça. Alors, vous voyez, c'est un sort de niveau 4. Et ça guérit presque toutes les altérations d'état. Donc, c'est vraiment très utile. Et la musique commence à me casser les couilles. Enfin, les oreilles, surtout. Il me reste 15. Est-ce que je mets... Ouais, ça coûte combien? 10. Bah, ça suffit, 10. Non, c'est pas sûr. On va faire un petit truc, on va faire... Oh, allez, un éther, ça coûte pas grand-chose. On l'utilisera pas beaucoup dans le jeu, de toute façon. Voilà. Ouais, vous ne pouvez pas vous échapper, donc là, vous voyez que c'est un combat scripté qui est un peu particulier. Donc là, on va faire booster, et hop, en avant. Alors peut-être que vous aurez pas le temps de voir le boss, en fait je vous le dis du coup, le sergent c'est pas un vrai sergent, c'est un boss. Mais des fois on le tue tellement, tellement vite qu'on a pas le temps de voir le boss. Voilà, exemple.
Voilà, en fait, normalement, il se transforme en griffe de fer, qui fait une attaque qui peut paralyser, et qui est très utile pour récupérer une invocation plus tard. Parce qu'on peut la prendre, hein, c'est une magie bleue. Bah, du coup, bah, on la prendra pas, tant pis. Voilà, et du coup, il y a tout qui pète. Bon, faut pas oublier, c'est le cristal du feu, hein, donc c'est assez destructeur comme truc. Ah, bon, vous en doutiez, je sais. Alors, dresseur. Géomancien. Franchement, c'est des trucs qui servent limite à rien, ces classes. Ninja. Ninja, c'est sympa, par contre. Il y a que trois classes? Choqué, là. En plus, faut savoir que ça, c'est la même version que la version mobile, qui est elle-même une version améliorée de la version Advance, où il y a des classes en plus. Canonnier, nécromancien, gladiateur, je crois, des trucs comme ça, mais je sais pas du tout comment on les a, parce que moi, la seule version que j'ai faite est la version Super NES, la version d'origine. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo de la version Super NES il y a pas très longtemps, là. Et en fait, je suis choqué la différence. Parce que, franchement, c'était moche. Autant Final Fantasy VI, au niveau interface, et même graphiquement, ça a pas mal vieilli, je trouve. Mais FF5, FF4, je vais pas dire c'est dégueulasse, parce que ça se dit pas, tu vois. Mais franchement, c'est pas très beau, quoi. On voit vraiment une énorme évolution entre le 5 et le 6. Et c'est surtout au niveau des menus. Par exemple, les combats, on voit juste les PV. On voit ni les MP, ni, enfin, on voit, y a rien d'interface, quoi, dans la version FF5 d'origine. Et puis les menus, ils sont beaucoup plus jolis. Enfin bref. De toute façon, c'est plus joli, c'est assez logique. Hein. Après bon, je crache pas sur FF5, version d'origine, c'est un excellent jeu. Et ça le restera, surtout pour l'époque d'ailleurs. Bref, voilà, bah je parlais juste hein, graphiquement. Graphiquement, ça a mal vieilli, je trouve, FF5. Là, je sais pas ce que je fais. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a le cristal du feu qui est pété, mais il y a encore de la lave en haut, ils auraient pu l'enlever quand même. Pyrocept. Tiens donc. Je sais pas ce que je fais là, pourquoi j'arrête pas la vidéo en fait. Non, j'ai arrêté la vidéo. Je vérifie juste l'autre côté. Parce que ça se trouve, j'ai oublié un truc dans l'autre côté aussi. Bah non. Là c'est plus long, mais y a rien. Bon. Voilà, bah écoutez, de toute façon, maintenant que j'ai un niveau de gros porc, je pense que ça va aller tout seul pour la suite. J'aurais pas besoin de farmer avant un petit moment, je pense. Donc ce qu'on va faire, on a combien là? Ouais, je me suis reposé, c'est bon. On va regarder vite fait les classes. Voilà, alors les nouvelles classes. Il y a le ninja. Il est assez sympa. Je vais le mettre à Galuf. Parce que les classes physiques fortes, je les mets à Galuf. Et tout ce qui est un peu tanky, je mets à... Attends, on a un samouraï lui. Tout ce qui est un peu tanky, je le mets à Barthes. Voilà, on va mettre ça. Voilà, en plus, ils peuvent porter pleine lune, donc c'est cool. Quoique pleine lune, il peut pas porter deux armes, hein? Si. Bizarre. On va mettre Barthes sans... Non, pas en poule. Hein. Dresseur. Allez, on va attraper des Pokémon, il n'y a pas de souci. Je sais plus du tout ce que ça fait, dresseur. Et on va lui mettre double poigne. Ce qui fait qu'il pourra... Ce sera un dresseur qui va faire très mal. Putain, faut que je m'achète de l'équipement là, c'est dégueulasse. Léna, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Berserk, je vous le dis tout de suite, c'est la pire classe du jeu. Je la testerai quand même pour vous la montrer, mais en gros, c'est une classe qui attaque toute seule. Et les deux seules compétences qu'elle apprend, c'est un truc pour que tout le monde puisse porter les haches. Et le fait d'être berserk et de taper tout le temps. Sans être contrôlable, donc c'est une très mauvaise classe en fait. Bah écoutez, ouais, vu que j'en ai appris 3, il y en a un qui va être géomancien. Ouais, avec de la magie blanche.
Voilà, c'est juste pour le fun, ça fait un petit peu plus de dégâts. Voilà, et puis bah écoutez, on va partir comme ça et je changerai les classes, c'est juste pour vous les montrer, mais bon. Au final, j'utiliserai souvent les mêmes classes vers la fin du jeu, vu que c'est les meilleures, tout simplement. C'est juste pour apprendre les compétences. Putain, j'ai la voix qui part en couille. C'est juste pour apprendre les compétences qu'on équipe ces classes-là. Hein. Et pour vous les montrer un peu, quoi. Voilà, donc bah vidéo cool, je pense, 25 minutes, c'est sympa. Donc bah on se retrouve la prochaine fois, on va voir ce qui est devenu Cid, parce qu'il a dû crever dans le bateau comme un con. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié. Portez-vous bien, tout ça, ce que je dis à chaque fois. Faudrait que je change mes intros et mes comment, et mes au revoir. Allez, bah, je vous dis à la prochaine, salut!